En fait, le granat n'est pas une gemme en tant que telle. C'est plutôt un ensemble de minéraux. C'est ce qui explique sa si grande variété de couleurs. Enfin, on la retrouve dans toutes les couleurs à l'exception du bleu. Elle a aussi une transparence qui peut dévoiler de très beaux éclats, allant jusqu'à l'opacité, où là, elle va nous dévoiler le phénomène optique appelé l'astérisme. En ce qui concerne les grenats rouges, les deux plus populaires, les deux plus connus, sont, comme on le voit sur la photo ici, le pyrope et l'almandin. En 1974, ils ont découvert un grenat qui contient et de l'aspersactite et du pyrope. Nous appelons cette pierre la malaya. Très rare, très dispendieuse et, dit-on aussi, très mystérieuse. Lorsque notre grenat est constitué de pyrope et de l'almandin, nous obtenons un grenat d'un rouge un peu plus violacé, que nous appelons de la rhodolite. Une autre variété des grenats qui est très appréciée est le glossulaire. Les deux plus connus du glossulaire sont la zavorite, qui a un vert exceptionnel, d'ailleurs qui s'apparente beaucoup à l'émeraude, et l'essonite, qui, elle, est davantage dans les teintes d'oranger à brunâtre. Le grenat que nous voyons ici est le démantoïde, sans doute un des plus appréciés dans les tons de vert. Il y a un petit peu de jaune à l'intérieur, et il a une brillance et un éclat hors du commun. Les nombreuses variétés de grenats nous offrent une gamme de qualité et de rareté unique. Ainsi, des grenats se vendent de 20 $ le carat à 500 $ le carat. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.